Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de faire une résolution en fait d'un système assez simple qui est un système en fait masse ressort sur plan incliné. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire une résolution avec le principe Voynton de la dynamique parce que pour l'instant on ne connaît que ça et je conserverai cet exemple là dans d'autres vidéos où on fera des résolutions plutôt avec l'énergie par exemple pour la prochaine vidéo. Alors, j'ai mis ici en fait la méthodologie qu'il faut adopter pour résoudre un tel système. Donc, on commence toujours par définir le système qu'on va étudier et le référentiel d'étude, hein, systématiquement, avant toute chose. Donc, le système étudié ici, ce sera la masse M que je représente par le point matériel grand M. Et le référentiel, je vais choisir d'étudier ça dans le référentiel terrestre. Supposé galiléen pour pouvoir appliquer les lois de Newton. Donc, terrestre supposé galiléen. Voilà, première étape hein, importante, on n'oublie pas. Deuxième étape, on va choisir un repère adapté. Alors là, sur ma représentation graphique, j'ai déjà mis un axe X selon le plan incliné. Alors pourquoi effectivement le choix de prendre des axes selon le plan incliné et orthogonal au plan incliné? Donc je vais appeler Y par exemple. Alors pourquoi ce choix est adapté? Parce que tout simplement je vais avoir un mouvement qui est le long du plan incliné. Et donc si je veux ramener un système à un seul degré de liberté, c'est-à-dire j'ai besoin d'une seule coordonnée pour décrire le mouvement de mon système, je suis obligé de prendre un axe X selon plan incliné. Ok? Et donc l'objectif, donc puisque je peux définir mes axes, alors je vais définir même des axes UX et UY. Ok, ce sera ma base d'étude, et donc je vais devoir exprimer toutes les grandeurs qui vont apparaître dans le principe fondamental de la dynamique selon ces axes. Donc je vais devoir projeter mes différentes forces sur ces axes, et puis bah, vu que le choix est bien adapté ici, l'accélération sera seulement selon Ux. Okay, donc deuxième étape, c'est bon. Troisième étape, faire le bilan des forces. Donc je réalise proprement mon bilan des forces. Alors c'est là que c'est important de bien avoir défini le système étudié, hein, parce que les forces vont dépendre, les forces qui s'appliquent sur mon système dépendent évidemment du système que j'étudie. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme force ici? On va avoir le poids, P, qui vaut donc masse fois accélération pesanteur G, hein, je peux le représenter. Donc le poids vertical vers le bas. Pour l'instant, j'exprime simplement les forces, et puis je ferai leur projection après. On va avoir aussi la force de rappel du ressort qui sera égale à moins kx moins L0 ux. Ok, parce que j'ai mon axe ux qui va du point d'accroche vers mon point matériel, donc il y a un moins qui apparaît ici. Et la longueur du ressort ici est représentée par l'abscisse x. Ok, je peux la représenter. Alors la force de rappel, elle peut être vers la gauche, enfin vers le haut ou vers le bas, selon X, tout dépend si mon ressort il est étiré ou allongé sur mon dessin. Bon, je vais supposer qu'on est dans la situation où la longueur est plus grande que L0, donc je vais avoir une force de rappel comme ça, ok, avec ici la longueur L qui est supérieure à la longueur à vide. Ok, donc le ressort a tendance à vouloir ramener la masse vers lui. Donc cette force-là, elle est déjà selon X, donc c'est tout bénef. Et puis enfin, on n'oublie pas la réaction du support. Alors je vais prendre l'hypothèse qu'on n'a pas de frottement type frottement mécanique entre la masse et le plan incliné. Et donc ma réaction du support sera orthogonale au support. Donc je vais dire que c'est Rn Uy, car on néglige les frottements solides. Hein, donc, je le mets juste en remarque. Avec frottement, on aurait eu, donc on a R qui aurait été composé d'une réaction normale selon Uy, hop là, on met ça, et d'une réaction tangentielle selon X, avec la réaction tangentielle, du coup, qui est dans la direction opposée à celle de la vitesse. Ok?
Ok, et donc on utilise les lois de Coulomb pour relier RN et RT. Donc ça, on a fait un exercice, exercice 3 du TD, là-dessus. Bon, ce qu'il reste à faire dans mon bilan d'effort, c'est projeter correctement le poids sur mes axes UX, UY. Alors, je peux dire de façon simple qu'on aura P scalaire UX, donc la projection du poids sur UX selon l'axe UX, plus P scalaire UY, projection du poids sur Y, selon UY. Ok ? Et on utilise la définition du produit scalaire. Donc, je le mets ici pour l'instant, un rappel. Si j'ai A scalaire B, j'utilise la propriété que ça me donne norme de A fois norme de B fois cosinus de l'angle entre mes deux vecteurs AB. Ok ? Donc ici, quand j'ai P scalaire UX, donc l'axe UX étant comme ceci, donc si je fais une représentation, donc j'ai P ici, j'ai UX ici, et j'ai UY là-bas, avec un angle droit entre UX et UY. Ok, et mon angle alpha, je le retrouve où? Donc mon angle alpha, je l'ai ici. Ok, donc on voit immédiatement qu'entre P et UX, j'ai un angle qui vaut 2 moins alpha. Ok, et entre le poids et UY ici, hein, donc entre le moins le poids et UY, je retrouve un angle alpha. Ok, donc on va avoir ici du cosinus de pi sur 2 moins alpha. Cosinus de pi sur 2 moins alpha, ça fait plus sinus alpha. Donc norme de P, CMG, sinus alpha, UX. Et puis j'ai directement l'angle alpha entre le poids et UY. Mais alors il faut faire attention que du coup c'est entre moins le poids et UY. Donc j'ai un moins MG cos alpha UY. Alors je peux toujours vérifier mes projections. Donc la petite astuce, une fois que j'ai fait les projections, et ben je peux représenter deux situations. Hein, c'est toujours pour vérifier que tout va bien. Si alpha égale 0 par exemple. Si alpha égale 0, donc j'ai UX comme ça, UY comme ça, hein, mon plan incliné du coup il est vertical, et du coup le poids est selon moins UY. Ok, donc normalement le poids devrait s'écrire moins MG UY. Vérifions, si j'applique alpha égale 0 dans ma formule, MG sinus alpha du coup ça fait 0, moins MG cos alpha qui fait 1, donc moins MG UY. Donc tout va bien. Si je prends alpha égale pi sur 2 maintenant, okay, j'ai un plan qui est totalement incliné. Donc je vais avoir mon axe UX qui est vers le bas et mon axe UY qui est comme ça. Okay, et là j'ai mon angle alpha égale pi sur 2. Eh bien on constate que le poids sera égal à plus mg UX. Okay, si j'applique alpha égale pi sur 2 là-dedans, sinus pi sur 2 ça fait bien 1, donc je trouve bien le poids qui est selon plus mg plus x. Ok, c'est un moyen très très simple de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans vos projections, parce que la difficulté c'est si la projection de vos forces est fausse, et bien tout le reste de la résolution sera fausse. Ok, étape 3, fini. Exprimer les forces et les projeter sur la base d'études. Quatrième étape, on applique le principe fondamental de la dynamique. Dans référentiel galilien, ce qui me donne masse fois accélération de mon point M, qui est égal à la somme des forces, donc poids plus force de rappel plus réaction du support, avec l'accélération qui s'exprime très simplement ici, comme étant x point point ux. Ok ? Et donc, il faut juste utiliser les formules qu'on a vues dans le premier chapitre sur la cinématique, où on exprime l'accélération dans différents repères, hein, selon si on utilise les coordonnées cartésiennes, coordonnées cylindriques ou coordonnées sphériques. Ok ? Et puis, on simplifie ce qui peut être simplifié. Donc
là j'ai qu'un mouvement selon UX, donc je ne garde que la partie de l'accélération sur UX. Donc ce qui me donne MX point point, qui va être égal à donc MG, alors MX point point UX pardon, qui va être égal à MG sinus alpha UX moins MG cos alpha UY moins K X moins L0 UX plus RN UY. Alors ce qu'on voit dans cette égalité, c'est que j'ai certaines composantes, certaines parties qui sont sur l'axe UX, certaines parties qui sont sur l'axe UY. Okay, d'un point de vue vectoriel, du coup, tout ce qui est sur UX représente une égalité, tout ce qui est sur UY en représente une. Donc c'est ce qu'on appelle projeter, du coup, le principe fondamental de la dynamique. Et ça me donne, donc, sur UX, donc à gauche, j'ai MX point point, et à droite, j'ai MG sinus alpha, moins K, X, moins L0. Sur UY, donc à gauche, j'ai rien sur UY, et puis à droite, j'ai moins MG cos alpha sur UY, plus L. Okay. J'obtiens deux équations distinctes. Alors, si même j'avais un mouvement en trois dimensions, j'obtiendrais trois équations. Hein, c'est ça l'intérêt du principe fondamental de la dynamique, c'est qu'après projection, on obtient trois équations. Okay, donc, si on a trois inconnues, ça peut être intéressant. Cette seconde équation me donne tout simplement en fait, la réaction du support qui vaudra mg cosinus alpha. Et cette équation que je note étoile, je peux la réécrire. En fait, pour obtenir l'équation du mouvement, donc je vais tout diviser par la masse et je vais passer tout ce qui est x ensemble, et donc j'obtiens x point point, plus donc ce terme moins kx, je vais le passer de l'autre côté, en n'oubliant pas que j'ai divisé par la masse, donc plus k sur mx, égale à g sinus alpha, ok, j'ai divisé par la masse, et il me reste le terme kl0 sur l. Voici donc l'équation du mouvement. Donc vous voyez que ça me permet d'obtenir la projection, la force inconnue, la réaction du support, et ça me permet aussi d'obtenir l'équation du mouvement. Okay, la dernière étape, eh ben on peut éventuellement résoudre l'équation du mouvement. Donc je vais le faire très rapidement, comme ça, ça fait des petits rappels de ce qu'on a fait en tout début d'année. Donc on reconnaît immédiatement l'équation d'un oscillateur harmonique, pardon. Donc on reconnaît un oscillateur harmonique. Et donc la solution s'écrit x de t qui sera a cosinus oméga 0t plus b sinus oméga 0t plus une solution particulière qui est constante. On va la chercher ici. Alors la solution particulière elle est constante parce que j'ai un second angle constant. Attention, d'ici quelques jours on va commencer les régimes sinus de dos forcés où on va avoir un second angle qui dépend du temps. Je ne pourrai donc plus faire les mêmes types de raisonnements. Donc pour trouver xp, pour l'instant, avec un second angle constant, je vais dire que xp est constant, donc si j'injecte là-dedans, la dérivée seconde s'annule, et donc je trouve la solution particulière qui vaut L0 plus mg sur k sinus alpha. On n'oublie pas également de définir oméga 0 qui apparaît ici, c'est simplement racine de k sur m. Hein. On identifie le terme devant le paramètre x comme étant oméga 0 carré. Il me reste enfin pour finir à trouver les constantes A et B à partir des conditions initiales. X à t égale 0, ce qui me fait A plus L0 plus mg sur k sinus alpha. C'est égal, selon la condition initiale qui est écrite ici, c'est égal à L0. Ce qui me donne A égale à moins mg sinus alpha sur k. La deuxième condition initiale, x point à 0, ce qui va me donner, donc quand je dérive ce terme-là, ça me fait moins a oméga 0 sinus oméga 0 t. Mais si j'applique à 0, le sinus est nul. Ici, j'obtiens b oméga 0 fois cosinus 0, donc je ne le mets pas, ok, et ça, c'est égal à 0, selon la condition initiale qui est écrite ici, d'où b égale à 0. Ok, j'ai plus qu'à réécrire proprement ma solution finale. J'obtiens donc B
x de t égale donc moins, alors je vais même mettre mg sinus alpha sur k en facteur, facteur de 1 moins cosinus oméga 0 t plus L0. Voici l'équation de mon mouvement. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment est-ce que sur un système comme celui-ci, on peut utiliser l'énergie. Je vous remercie.